Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. Je sais jamais comment démarrer ma vidéo. Je suis toujours genre. J'ai l'impression qu'il y a toujours la même chose. Mais bon, en même temps, je commence par dire bonjour. Bref. Donc, du coup, nous sommes lundi 5 novembre. Lundi 6 novembre. Je reviens de ma petite promenade. Je me suis dit, je vais ouvrir le vlog maintenant. Pour vous présenter mes lectures. Alors, donc, je vous laissais dimanche avec cette lecture que j'avais en cours. Je sais plus, je crois que j'étais page 80 ou un truc comme ça. J'ai un petit peu avancé dimanche dans la journée. Donc, c'est Winston et ses filles de Rachel Tressaway. Donc, la saga des Churchill, pardon. Donc, chez Alizio. Les éditions Alizio. Donc moi j'ai pris la collection Histoire pour ce mois-ci. Et donc du coup nous découvrons, enfin je découvre un petit peu la vie de Churchill et donc ses quatre filles qui ont un rôle assez important. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Assez important donc dans la vie de Monsieur Winston Churchill. Et voilà, c'est assez intéressant. Par contre, c'est pas un roman, c'est plus un document. je sais pas, il y a beaucoup de références aux mémoires des personnes, à leur biographie, etc. Et voilà, c'est pas romancé du tout. Donc, il faut vraiment être concentré sur cette lecture. Moi, je sais que j'ai l'habitude d'avoir toujours un fond, soit à la télé, soit quelque chose, sauf que là. Pour le coup, j'ai l'impression que quand j'ai la télé, j'arrive vraiment pas à me concentrer sur l'histoire tellement il faut être bien bien dans le récit. Donc du coup là hier et avant-hier j'ai mis des Read With Me et ça m'a aidé totalement à avancer. Voilà, je suis page 177. Alors, donc je vous lis le résumé. Brillante et séduisante, Diana, Sarah et Marie ne viennent pas de n'importe quelle famille. De leur père Winston Churchill, vainqueur des nazis, à leur père Randolph, le Golden Boy, en passant par leur cousine, les excentriques Sir Mitford, elles grandissent entourées de personnages hors normes et intimidants. Portées par le même sens du devoir envers leur pays, elles surent se montrer à la hauteur de leur nom. Diana, un temps si réservée, est officier de la Women's Royal Naval Service pendant la guerre. Sarah est prise de liberté, fugue en Amérique pour devenir actrice et danseuse de music-hall avant de devenir l'aide de camp de son père aux conférences du Caire et de Téhéran en 1943, puis de Yalta en 1945. Marie, solide et déterminée, s'engage pour la Croix-Rouge avant de rejoindre le service féminin de l'armée de terre. Loin d'être des débutantes choyées, elles ont pris part aux événements les plus décisifs du XXe siècle. Grâce à une riche correspondance inédite, Rachel Tressaway raconte la saga intime faite de passion, de drame et de tragédie de la plus illustre des familles britanniques et sort pour la première fois de l'ombre les remarquables Sir Churchill. Donc Rachel Tressaway, diplômée de l'université d'Oxford, est historienne. Spécialiste de l'Angleterre contemporaine et journaliste pour le Daily Mail, le Daily Express et The Independent. Elle est membre de la Royal Historical Society. Voilà pour le petit résumé, petit entre guillemets, mais voilà, c'est très bien dit et franchement, c'est très prenant. C'est très très prenant. Après, ce ne sera pas le genre de lecture que je lirai tous les jours ou même tous les mois, loin de là. Mais ça change et c'est vraiment une partie de l'histoire que je ne connais absolument pas. Donc je suis ravie de découvrir ça. Donc je vais continuer tranquillement mais sûrement cette histoire, enfin ce récit, cet ouvrage on va dire, parce que je ne sais pas trop quel mot employer, j'ai pas l'habitude de lire ce genre d'ouvrage. Donc du coup, voilà, je vais le continuer tranquillement. Et voilà. Et en parallèle, je vais faire une lecture commune. Donc, comme je vous le disais, c'est le novembre. Donc, c'est le mois du Black November. Donc, cette semaine, chaque semaine, il y a une consigne pour lire des thrillers. Donc, c'est des consignes très, très
facile. Je veux toujours dire vague et vaste et je confonds les deux mots. Donc c'est des consignes très simples, très faciles et tout le monde peut lire voilà, les thrillers que l'on souhaite. Enfin voilà, c'est très libre. Et cette semaine, c'est une histoire intrafamiliale. Donc avec Elodie, on souhaitait reprendre notre rythme de lecture commune. Donc on va lire celui-ci. J'ai mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez. On va lire celui-ci, Sanatorium de Sarah Pierce. Le sanatorium, vous ne voudrez pas le quitter jusqu'à ce que vous ne le puissiez plus. Donc voilà, on va lire ça. C'est un peu de saison. Non, je crois que c'est sous la neige. Enfin bon, en tout cas, Elodie a regardé. A priori, c'est une histoire intrafamiliale. Donc on va se lancer dans cette histoire. Moi, je vais commencer là, ce soir, tranquillement. Donc voilà pour ma lecture mes lectures en cours et à venir. Et je vous tiendrai au courant de mes avancées, enfin de mon avancée et de mon avis final sur Winston et de mon début sur le sanatorium. Voilà. En même temps, donc le défi, un livre, une lettre, la lettre du mois, c'est le L. Donc pour l'instant, j'ai fait quatre lectures. J'ai La femme de ménage qui rentre. Barbara, Belle, ça rentre pas. Winston et Churchill, ça rentre pas. Pirate, ça rentre pas. Et l'autre, j'ai fait quoi? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, Planète Tech de Suzy Norman, ça rentre pas. Bon, bah, j'en ai fait un, déjà, c'est bien. Et le sanatorium passera également dans cette lecture-là. Donc, ça, c'est bon. Et puis, voilà. Hier, j'ai regardé la fin de la dernière saison de Sex Education, la saison 4, me semble-t-il. Donc j'ai regardé, a priori c'est la fin de la saison, de la série, tout court. Parce que je me suis posé la question dans le dernier épisode, vu comment ça se terminait, enfin comment ils se machinaient, je dis, ah mais ça serait pas la fin, fin, fin. Et en fait j'ai fait quelques recherches, a priori il n'y aurait pas de saison 5. Donc après ça va peut-être changer, je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai terminé une série, je suis contente. C'est toujours sympa de terminer, de clôturer. Des séries et pas attendre encore un an et puis d'oublier. Enfin, moi je sais que j'oublie tout très facilement, que ce soit les livres, les films. Enfin, j'oublie qu'il y a une suite. Donc, en fait, je continue, je vis ma vie, je regarde d'autres trucs, je lis d'autres trucs et j'oublie. Ah, mais en fait, j'ai une suite à regarder ou à lire. Donc, du coup, voilà, la série est terminée. Et c'était distrayant, on va dire. Sans plus, ça sera pas une série que je vais dire ouais, regarde là, elle est trop bien, fonce, vas-y. Mais c'était rigolo, c'est voilà, c'est sympatoche. Ça fait le job quand on attend rien de spécial. Voilà. Bon, en même temps, vu le titre de la série, faut pas non plus s'attendre à un truc grandiose. C'est des ados au lycée, pas aux États-Unis, mais je crois que c'est en Angleterre, hein, vu comment ils sont habillés et tout. Très, très original et voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire en ce lundi et donc je vais vous laisser. Je vais aller prendre une douche bien chaude parce que là, mon pantalon, mon jean est bien trempé. On s'est pris encore une belle averse aujourd'hui, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, je vous dis à plus tard.
Alors, on est aujourd'hui vendredi, on est déjà vendredi, j'ai pas du tout eu le temps de faire des vidéos, ni de beaucoup lire comparé à la semaine dernière où j'avais fait plusieurs lectures. Là, j'en ai fait zéro. Concrètement, j'ai ouvert mon vlog lundi. Mardi, j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? Mardi, j'ai été invitée chez des collègues pour un apéro, donc c'était dès 18h. 30 et j'avais une demi-heure de route, donc du coup je suis sortie cracotte, je suis rentrée, je suis repartie. Mercredi, ah oui, j'ai enfin pris rendez-vous pour au garage, donc fallait que je laisse ma voiture, enfin mon rendez-vous était jeudi, mais fallait que je laisse la veille, ils ont tout un bordel pour que Val change ses horaires et vienne me chercher le jeudi, m'amener au boulot, bref, machin machin. Donc jeudi au garage, donc je n'ai pas lu beaucoup et nous sommes vendredi, voilà. Donc je viens quand même vous faire un point. J'ai pas lu beaucoup, mais j'ai lu quand même. Je vous parle déjà de ma lecture audio que j'oublie complètement à chaque fois de vous parler. J'en ai parlé brièvement dans mon précédent vlog. Je vous disais que je commençais le tome 2 de Hadès et Perséphone et j'ai bien avancé. Donc je l'écoute en audio pendant la promenade de Cracotte. L'après-midi. Donc c'est celui-ci. Voilà, le tome 2 d'Hadès et Perséphone. A Touch of Ruin. Et le premier, c'est A Touch of Darkness. Donc là, nous allons poursuivre notre voyage, on va dire. On va suivre, comment ça s'appelle? Ben, Perséphone, qui tombe plus ou moins amoureuse du dieu de la mort, Hadès. Et donc, elle, c'est la déesse du printemps. Sa mère, Déméter, a en horreur le dieu de la mort, donc Hadès. Et du coup, comme par hasard, elle va un petit peu s'allier avec lui. Donc, il va y avoir toute une histoire. J'aurais peut-être pu vous préparer le tome 1. Parce que là, je pense pas que je vais vous lire le résumé du tome 2. L'auteur à succès Sinclair nous offre une interprétation sombre et captivante du mythe grec d'Hadès et Perséphone. La relation de Perséphone avec Hadès est devenue publique et la tempête médiatique qui en résulte perturbe sa vie normale et menace de l'exposer en tant que déesse du printemps. Je ne vais pas en lire plus parce que je ne sais pas trop si c'est un résumé spoilant. En fait, je ne sais plus ce qui se passe dans le tome 1, enfin dans les détails, on va dire, même si je me rappelle de l'histoire. Pas bien compliqué. Donc voilà, je suis à 200 pages de lu. Ah, oh, ça m'a enlevé. J'étais page 198. Je vais y arriver. Je suis désolée, je suis pas douée, vous le savez, hein. Donc je suis au chapitre 18. C'est un chiffre romain, j'ai un petit peu de mal. On voit rien. Voilà, chapitre 18, les furies. Donc voilà, ça se lit bien. Je le mets un petit peu en mode lecture un petit peu rapide, mais voilà, parce que c'est très très lent. Et bon, l'histoire est pas dingue, hein. Ça reste de la new romance, de mon point de vue, hein, personnellement, comme j'aime bien lire de temps en temps, mais sans plus. Ça se lit, hein, c'est pas mal. C'est pas une lecture désagréable. Ce sera pas un coup de cœur loin de là, mais voilà, c'est bien. Ça me distrait dans mes thrillers là que j'ai en cours. Concernant cette lecture-là, je n'y ai absolument pas touché. Mais alors, vraiment pas. Je suis toujours page 177. Ça sera pas pour ce week-end non plus. Je ne vais pas l'emmener là dans quelques. Là, il est 18h15. Je rentre tout juste de la promenade parce que j'ai un départ au boulot qui, du coup, on faisait un pot de départ. Et je pars à Poitiers pour le week-end. Ce soir, on va boire un verre. Samedi midi, je mange avec mes beaux-parents. Samedi soir, on a une grosse crémaillère. Dimanche midi, je vais peut-être manger chez ma mère. Dimanche après-midi, on fait crêpes, gaufres, goûter dans ma famille. Donc, je pense pas que j'ai avoir beaucoup de temps de lire, mais le samedi matin et le dimanche matin. Je pense que je vais bouquiner, on va traînasser, voilà, un petit peu. Donc voilà, ça va pas être un vlog riche, ni en lecture, ni en paysage, parce qu'il pleut tout le temps, il fait froid, et il y a trop de vent, je peux pas filmer.
Là, il pleuvait pas pendant la promenade, je crois que c'est la première fois depuis super longtemps. Mais voilà, trop de vent, j'ai hésité à faire ma vidéo dehors. Mais voilà, tout est trempé, tout est dégueulasse, donc ça aurait rien donné. Et donc du coup, deuxième lecture en cours, enfin troisième du coup en comptant Winston. Troisième lecture, qui n'est pas folichonne, que je lis en lecture commune avec Elodie, page 282. Donc je vous l'avais montré, c'est le sanatorium de Sarah Pierce que je lis sur liseuse. Voilà, c'est celui-ci. Je vous l'avais déjà montré, je vais essayer de remettre, moi qui suis pas douée, des petites images, je vais essayer. J'avais essayé une fois, je galère un petit peu. Donc voilà, le sanatorium. Retour page 282. Ah là, ça me le met. Donc on est toutes les deux, on a divisé le livre en trois, on est toutes les deux sur la troisième partie. On a toutes les deux le même avis qui est que on tourne en rond, il se passe pas grand-chose. Ça se lit très bien. C'est ça, il n'y a aucun souci, c'est très addictif. Les chapitres tournent, mais on s'attache à... Il n'y a aucun personnage qui est attachant. L'histoire en elle-même... n'est pas folichonne, il n'y a pas trop de rebondissements, il n'y a pas de stress. Voilà, il manque quelque chose parce que c'est dommage parce qu'il y a quand même ce côté addictif, ce côté bah, thriller, il y a des meurtres, il y a quand même un petit suspense, c'est un fil rouge. Mais à côté de ça, bah, comme on s'attache à aucun des personnages, même le personnage principal, donc c'est Eileen, qui, je vous lirai le résumé, il est en quatre phrases, mais là on va sur Eileen. Qui est invité aux fiançailles de son frère Isaac, qui se marie avec Clore, donc son ami d'enfance. Et elle vient avec Will, son mari, son copain, s'ils ne sont pas mariés. Ils ne vivent même pas ensemble. A priori, il y avait des histoires dans le passé, on ne comprend pas tout. Mais ils viennent là et elle n'a pas parlé à son frère depuis des années. Il y a eu. Je sais pas, des histoires dans le passé. Moi, il manque plein de choses pour comprendre cette histoire. Et là, il nous reste 200 pages peut-être. Et ouais, c'est pas folichon. Je voulais le résumer. Un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe. Une femme qui disparaît lors de ses fiançailles. Une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde. Un corps mutilé. Voilà. Donc ça commence comme ça, on assiste à un décès, enfin une personne qui se fait enlever par quelqu'un qui porte un masque. Elle se fait un petit peu mutiler. Il n'y a pas de spécialement de détails, c'est pas gore à la Sir Cédric ou à la Franck Tillier, mais voilà, on a l'histoire du meurtre. Et à côté de ça, on suit Eline, Isaac, Laure et Will, donc dans cet hôtel qui est resté basé sur le sanatorium, même s'ils ont fait un espèce de spa luxueux pour rendre ça plus moderne, plus un espèce de centre de bien-être, quoi, on va dire. Et puis voilà, hein. C'est bon, voilà, j'en avais déjà pas lu de très bons retours, je comprends à peu près pourquoi. Voilà, il me reste. Ouais, il va me rester 150 pages, un peu moins de 150 pages. Donc bon, je vais essayer de le continuer sur la route, là, vu que c'est sur liseuse, c'est cool. Le lire sur la route. Le terminer aujourd'hui ou demain. Ça serait bien aujourd'hui, mais bon, là, je suis vraiment pas dans... Je suis fatiguée. Fatiguée, fatiguée. Il faut que la semaine prochaine, je recommence pour retourner au garage. J'ai pris rendez-vous au garage, je lui ai dit... je suis très en retard sur mon contrôle technique de 6 mois, mais j'aimerais faire ma révision avant de l'emmener au contrôle, comme ça j'ai pas de contre-visite. Et puis voilà, donc je voudrais prendre rendez-vous pour faire ta révision. Il me dit oui, ok, on va prendre rendez-vous, machin. Bah, si vous voulez, je m'occupe même de tout, je vous passe au contrôle. Je lui dis bah, écoutez, oui, parfait, si vous me faites tout, au contraire. Il me dit bah, vous me laissez votre voiture jeudi. Donc bref, voilà, je lui laisse mercredi, machin, machin, je la récupère hier. Et il me dit bah, votre voiture n'est pas passée au contrôle. Je dis, bah, vous n'avez pas fait les révisions avant? Il me dit, bah non, fallait me dire fallait me dire que vous aviez un voyant allumé, j'aurais regardé. Je dis, bah, je vous ai demandé de faire des révisions avant pour justement pas avoir contre-visite.
Donc lui, en fait, il a juste emmené ma voiture au contrôle et puis il m'a ramené. Je dis, mais je suis grande, je peux aller au contrôle des pistes sans vous, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt d'emmener sa voiture au garage pour qu'il te l'amène juste au contrôle et qu'il te la ramène sans la regarder, parce qu'il l'a pas, absolument pas regardé. Il m'a dit, votre lave-glace est vide, ça passe pas au contrôle. Mais je dis, mais quel est l'intérêt de vous emmener ma voiture si c'est pas pour la réparer? Là, je n'ai pas saisi le truc. Donc, je m'étais dit, pour une fois, j'aurais pas de contre-visite à payer parce que moi, je suis vraiment une catastrophe au niveau de la voiture. Je n'entretiens absolument jamais mes voitures. Donc, j'ai toujours des sommes pharaoniques. Mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que l'entretien, je le fais pas au cours des semaines. Et du coup, là, je me suis dit, bon, bah, je le fais avant, je fais réviser. Comme ça, pas de contre-visite. Impeccable. Eh ben non, faut que j'y retourne. Mercredi soir, je laisse ma voiture jeudi, faut qu'il fasse une réparation, qu'il la ramène au contrôle pour la contre-visite. Du coup, ça me saoule un peu. Ça, là, j'avoue que. Bref, voilà, donc la semaine prochaine, rebelote. J'espère que je vais lire un petit peu plus. Mais là, franchement, j'ai vraiment pas une semaine riche en lecture. Je suis vraiment désolée. J'espère que le vlog va quand... Enfin, il va être assez court, mais j'espère qu'il vous plaît quand même jusqu'à maintenant. J'ai même pas fait de vidéo dehors, rien du tout, hein. Et donc du coup, pendant que j'y pense, je vais emmener un autre livre pendant le week-end. Parce que ouais, je pense que celui-là, ouais, vu qu'il se lit bien vite et que j'ai envie de le terminer, je vais le faire vite ce soir. Je vais essayer. Et à côté, donc je vais prendre celui-ci dont je vous ai parlé, qui était donc dans ma liste, dans ma pile à lire pour le Black November, pour une histoire intrafamiliale. Donc ça sera L'épouse et la veuve de Christian White. Et voilà, donc j'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça, bah avec Elodie d'ailleurs, mais je crois que ce livre-là, elle l'a déjà lu. Mais j'avais lu avec Elodie en lecture commune Le mystère Sammy Wendt, que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors Elodie l'avait moins aimé que moi dans mes souvenirs, il me semble. Mais moi, j'avais adoré le Sammy Wendt, là. J'avais trouvé ça très original comme histoire. Voilà, j'ai toujours conseillé depuis. Pour un petit polar thriller qui fait le job, il était parfait. Moi j'avais bien aimé, c'était pas sanglant, il n'y avait pas de trucs qui partaient dans tous les sens, c'était bien construit. Et voilà, donc c'est avec plaisir que je voulais absolument lire ce livre-là. Et c'est Valérie du compte Un livre, une étoile qui me l'avait offert parce qu'elle l'a lu et elle ne souhaitait pas le garder. Donc elle m'a dit, bah autant que t'en profites. Donc voilà, ça sera ma petite lecture. Ah bah j'ai toujours son petit mot dedans. Voilà pour ma deuxième lecture que je vais essayer de lire ce week-end, mais je vous garantis rien, hein, au vu du programme. Voilà. Donc je vais aller faire mon sac pour ce week-end et me poser un petit peu, tout ça, tout ça. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Niveau série, bon, je vais pas trop regarder grand-chose. Si on a regardé The Witcher, mais en dessin animé. En 1 heure et demie, c'était un film d'animation qui était très sympa. Qu'est-ce qu'on a regardé? Je vous avais parlé de Marchand de douleur. On a regardé The Outfit. Ah oui, c'est un huis clos. C'est un truc de mafia, de gangster dans les années. Je ne sais combien d'ailleurs. Je sais pas du tout. J'arrive pas à me situer. Peut-être 60, 60, 80. La fille qui voit large. Et niveau série, non, j'ai rien à ajouter. Je suis toujours à Sex Education saison 4, mais ça, je vous en ai parlé. Je crois que j'ai commencé une autre série. Je sais plus. Je vous en parlerai en temps voulu. Je vais vous laisser là. Faut absolument que j'aille préparer mon sac. Il est 18h25 presque. Donc voilà, faut que je me dépêche. Aïe. Donc je vous laisse ici et je vous tiens au courant. Bah, je pense que là, le prochain, enfin, je referai une vidéo dimanche pour conclure mon vlog et vous dire au final ce que j'ai terminé ou pas. Parce que entre ce que je veux et ce qui va se passer, il y aura peut-être un monde. Peut-être quelques vidéos de selon là où je vais, etc. Et voilà, hein, on va s'arrêter là. Ça fait 15 minutes que je parle. Je pense que c'est bon. À plus tard.
Hello, hello. Alors, je viens conclure mon vlog. Je suis un petit peu à la bourre cette semaine. On est déjà lundi soir, là, il est 5h15. Et donc, du coup, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de conclure hier. Mon week-end a été assez mouvementé. Voilà, j'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai même pas du tout filmé, concrètement. Je sais plus, je vous disais, je crois que j'ai filmé vendredi. En vous disant que j'étais pas super emballée par ma lecture. Donc je l'ai terminée. Oh mince, j'ai plus de batterie dans ma liseuse. Alors, je vous remonte. Donc c'était le sanatorium de Sarah Pierce. Je l'ai terminée. Elodie également, on l'a terminée samedi matin. Oui, c'est ça, samedi matin. Donc celle-ci, hein. Et voilà, je reste sur le même avis que ça reste très addictif, ça, les pages se tournent très vite, mais à côté de ça, c'était, enfin j'ai ressenti que c'était plutôt plat et voilà, les personnages n'étaient pas spécialement approfondis, ils n'étaient pas attachants, voilà, même Elodie, elle a ressenti un petit peu la même chose. Donc voilà, assez déçue pour cette semaine du Black November. Donc ça confirme bien en tout cas là, il fallait qu'il y ait une histoire intrafamiliale, c'était en plein dedans. Donc j'ai validé ma deuxième semaine du Black November. Donc comme vous en doutez, enfin non, vous vous en doutez pas, mais samedi, je l'ai fini samedi après, oui, samedi après plutôt, pas samedi matin. Et après, donc j'ai eu une crémaillère, donc je n'ai pas lu, je suis rentrée très très tard, beaucoup plus tard que ce à quoi je m'attendais. Et donc du coup, je n'ai pas commencé l'épouse et la veuve. Et comme aujourd'hui commence une nouvelle semaine du Black November, je me suis dit, je n'ai pas commencé l'épouse et la veuve alors qu'il ne rentrera pas dans la catégorie de cette semaine, enfin la semaine prochaine pour vous. Donc du coup, je n'ai pas commencé lecture. Et voilà. Donc concrètement, j'ai pas grand-chose à vous dire, à part que mon week-end était au top, mais au niveau lecture, zéro. Enfin si, j'ai quand même terminé le sanatorium, mais bon voilà. Au final, c'était pas une lecture transcendante pour moi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, le vlog aura été assez court, je crois que je me suis déjà excusée, mais je m'en réexcuse encore. Même si de temps en temps, un petit vlog court, c'est sympa aussi à caler. Donc voilà, j'espère que vous, ça va, vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et voilà, que tout va bien pour vous. Moi, je vais arrêter la vidéo ici et reprendre, enfin, ouvrir un nouveau vlog direct. Et après, je vais me poser tranquillement. Voilà, donc je vous souhaite, j'ai déjà dit, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, tout ça, tout ça. Je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!